Au 19e siècle, la première révolution industrielle transforme la région Nord-Pas-de-Calais. Un siècle et demi plus tard, la région des Hauts-de-France est fer de lance de la troisième révolution industrielle. Ces territoires meurtris, épuisés, sont plus vivants que jamais. Ils se réinventent sans cesse en engageant les collectivités, les entreprises, les citoyens, dans une transition exemplaire. Cette révolution est énergétique, économique, numérique. Elle mobilise un maximum d'acteurs pour assurer un futur généreux, imprégné d'un passé, plus que jamais d'actualité. La troisième révolution industrielle, c'est vraiment la feuille de route aujourd'hui de cette région des Hauts-de-France. Cette région-ci a une caractéristique, c'est qu'elle s'est prise en main. C'est tout simplement le basculement dans le nouveau système économique. C'est pour nous tous l'opportunité de redonner un destin à la région, mais aussi à la France. Avec les contrats d'objectifs pour la troisième révolution industrielle, les territoires des Hauts-de-France ont entamé leur transformation. Une révolution déjà visible sur le terrain. Vous êtes dans un ancien gymnase militaire que nous avons décidé de réhabiliter pour en faire une salle de sport qui va nous permettre notamment de diviser par 4 la facture énergétique. L'objectif, bien évidemment, des travaux d'économie d'énergie, mais aussi de travailler à notre autonomie énergétique. Et nous avons un objectif à 20% en 2050. La troisième révolution industrielle, c'est un nouvel avenir, c'est une nouvelle façon de concevoir le développement économique d'un territoire. Et c'est vraiment la feuille de route aujourd'hui de cette région des Hauts-de-France. Une volonté affichée du monde politique et du monde économique de travailler ensemble à un nouveau devenir. Chaque territoire choisit et trace le chemin le plus adapté à sa troisième révolution industrielle. À Compiègne, la mutation est sur tous les terrains. Les déplacements sont au cœur de la voie du changement. Des vélos en libre-service et des transports en commun gratuits sont à disposition des habitants. La mobilité, c'est pour nous un engagement de très long terme. Nous sommes un territoire étiré en longueur, tant en ce qui concerne les zones d'habitat que les zones d'activité. Une région étirée qui s'adapte aussi à travers l'habitation. Avec l'initiative Habitat Rénové, les logements deviennent plus écologiques et moins coûteux. On a créé des centaines d'emplois dans la vallée de l'Oise. Tout ce qui est économie d'énergie se traduit par plus d'activités pour les artisans spécialisés. Ce sont bien entendu des filières qui sont réellement créatrices d'emplois non délocalisables. Ces projets d'envergure sont coordonnés avec l'ensemble des services de l'État et des collectivités. Mon rôle consiste tout simplement à garder le cap, à faire en sorte que je puisse être le coordinateur entre différentes instances, entre le conseil régional bien évidemment, entre l'État, entre la chambre de commerce et d'industrie. C'est un rôle qui est un rôle tout à fait modeste, mais qui est en quelque sorte celui d'une cheville ouvrière. Du territoire industrialisé dunkerquois jusqu'au parc régional de l'Avesnois, l'investissement sur l'avenir se fait par un constat et l'application d'un master plan. La troisième révolution industrielle, c'est tout simplement deux caractéristiques principales. La première, c'est le numérique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, l'explosion du digital. Et la deuxième, c'est l'évolution des ressources. On est en plein cœur de l'Avesnois. On essaye d'aider un peu les agriculteurs qui le veulent à préserver la ressource naturelle, en particulier le bocage. Les grandes haies qui font ici les délimitations des prairies, elles peuvent aussi servir de bois énergie. Ça permet non seulement de limiter l'impact pour les ruissellements d'eau, ça fournit un nouveau revenu aux agriculteurs. Et puis en même temps, c'est un coût carbone neutre puisqu'on est en plein dans l'économie circulaire. Le Cotri, c'est une démarche qu'on a déjà engagée avec le territoire à énergie positive pour la croissance verte. Cette fois-ci, on le développe à l'échelle de la totalité de l'arrondissement pour les espaces aussi bien ruraux qu'urbains. Pour nous, on va essayer d'organiser ça sur les trois piliers du développement durable de façon à ce que ce territoire, d'ici 2050, puisse être un territoire entièrement à énergie positive et autonome. Toujours dans l'Avesnois, la ville de Fourmies vit une transformation moins visible à l'œil nu. C'est la révolution du numérique. La troisième révolution industrielle, c'est la possibilité pour nous de recréer des emplois locaux non délocalisables. Nous avons créé un Fab Lab avec des imprimantes 3D, des scanners, des CNC ou des brodeuses numériques. Ça permet de donner la possibilité à la population ou aux associations de pouvoir créer, prototyper,
Il faut savoir que le Cotri est un véritable booster. Ça nous permet de pouvoir développer la troisième révolution industrielle sur tout le territoire. L'ADEME développe ces fameux contrats d'objectifs territoriaux où nous appuyons sur les collectivités qui gèrent des territoires, sur lesquels fonctionnent les acteurs publics, privés, les citoyens, les entreprises, les collectivités elles-mêmes. Et ce que nous proposons à ces élus, à ces collectivités, c'est d'animer tous ces acteurs sur la base d'un contrat d'objectifs de 3 ans, avec des objectifs précis, quantifiés, sur la transition énergétique et écologique, et donc d'entraîner tous ces acteurs vers une accélération de la transformation de l'essai. À Grande-Synthe, la graine de la troisième révolution industrielle porte déjà ses fruits. La récolte est à la portée de tous les habitants. Nous sommes à l'Université populaire de Grande-Synthe. C'est un lieu de rassemblement et de culture populaire autour d'un autre mode de faire, un autre mode de consommer, un autre mode de... Et voilà, une réflexion qu'on doit amener à nos habitants. On est au bout d'une certaine industrie, il faut que cette industrie se rénove, arrête d'extraire comme ça de la matière première, on sait qu'on est à bout dessus, donc toute la réflexion sur l'économie du partage, l'économie de la fonctionnalité, l'économie circulaire est au cœur de nos problématiques aujourd'hui de développement économique sur l'agglomération dunkerquoise. C'est une vraie résilience dans laquelle notre territoire est rentré. La renaissance d'un territoire se traduit également par le bien-être de sa population. Par sa capacité à vivre, à réussir, à se développer. Sur l'agglo de l'Ancien-Vin, on commence à avoir de plus en plus de réalisations. Ici, on est sur un béguinage. Béguinage, c'est donc résidence personnes âgées avec une autonomie, mais des services partagés, faites par Maison et Cité, qui est un exemple de réalisation extrêmement intéressante sur le plan thermique, qui fait qu'on va avoir des personnes à revenus faibles, quasiment plus payées de chauffage. Finalement, sur une opération comme celle-ci ou sur de la réhabilitation, on a un impact économique, on a un impact social avec le pouvoir d'achat et on a un impact environnemental majeur. C'est grâce à la coopération de toutes ces instances que les territoires des Hauts-de-France s'assurent un avenir plus généreux, à l'image d'un passé rayonnant. Le travail d'équipe de tous ces acteurs qui définissent leur propre rôle et la clé du succès de cette grande réalisation. Le rôle de l'État, le rôle du préfet, d'un préfet de région, c'est de rassembler, de fédérer et de veiller à ce que les convergences finissent par s'aborder, si je puis dire, plutôt que les divergences l'emporter. Il n'y a pas de convergence qui ne s'appuie pas sur un outil opérationnel. Et l'outil opérationnel, c'est le contrat. Cette troisième révolution a pris ici une ampleur, une place qui lui est parfaitement singulière. Mais je veux dire qu'au-delà de l'intérêt pour la région d'avoir pris cette place, c'est un intérêt pour la France tout entière. La troisième révolution industrielle, c'est une formidable opportunité pour réparer le passé et pour nous ouvrir les voies de l'avenir.